On est parti. Donc, c'est un message de Thérèse, le 5-12-2011, et je l'ai fini hier. Et hier, nous étions le 22. Thérèse, tout vous sert à vous épanouir. Cela se saurait. Pour moi, la première. Mais les actes fécondateurs de Dieu, s'ils ne font pas des gens bons, lèvent des actes de gens conscients partout sur le monde. La fonte des glaciers est toujours plus géologique que caractérielle. La fête des moissons m'a ouvert les yeux. Quel que soit votre âge, vous devez tourner la page. Dieu féconde dans votre intimité. Mais seules les fusées sortent de l'attraction terrestre. En bon artisan dessinateur, calque après calque, il affine pour son bonheur ta sensibilité. Mais tout est à changer dans vos sociétés et vos gouvernements. Le créateur ménage, la chèvre, le chou et l'agriculteur. Mais il n'y a aucune fierté à tirer des accents de faits divers de Monsieur Pernaud et son journal télévisé. Dans les actes, rien n'est fécond. Toutes vos croyances s'effondrent devant les faits. Qui peut choisir? Non, pardon. Qui peut croire à la résurrection des morts? Nous ne savions que vieillir et n'imaginions pas pouvoir éliminer par notre foi la migraine d'un de nos proches. Alors, revenir dans un corps retrouvant toutes ses facultés perdues et plus. Je t'entends me dire, mais toi, n'as-tu pas été sauvé presque dans ces conditions? Mes chéris, je n'étais pas viable. Malgré mes abnégations, je croyais au diable et à ses voies. Et puis, je n'ai pas eu le temps de vieillir. Et je comptais à peine, car c'était vous qui étiez en ligne de mire. La fission de l'atome vers les années 50 n'était pas une vue de l'esprit. Et elle concrétisait, malgré toutes les croyances, l'abolition du passage de l'homme à l'humain. Vous n'êtes plus en guerre mondialement, mais les plus ou moins grands déséquilibres dans vos propres enfants prouvent des sources d'hérédités affaiblies. Mais Dieu, dans son immense amour, se penchant sur vous, vous a offert par la trilogie du message le miracle de régénérescence. Il t'avertit bien en préambule que chaque fois que tu seras choqué ou pas d'accord, c'est que tu es en train d'entendre quelque chose d'essentiel. Écrit sans filtre par ton créateur et celui du monde, s'il te dit que la meilleure direction pour t'assoupir est la tête au nord et les pieds au sud, c'est que pour ta protection, il te permet de savoir que les ondes telluriques sont excessivement régénératrices dans cette position et non dans une autre. Reprends parole du guérisseur. Dénoncer la cigarette ou le café en danger n'était que 12 avertissements qui, non écoutés, provoquent aujourd'hui les désastres de la santé. Quand en 1975, ces propos repris par la presse et les ondes titrent l'humanité en danger total, constituant l'homme ne se voulant que cela, il n'avait pas grande difficulté à faire le visionnaire. L'indifférence entre vous vous blesse, celle pour Dieu vous tuait. Ce n'est plus le cas. Il patiente positivement, te travaillant du matin au soir. Les moments cruciaux sont les jours de fête. Noël possède tous les ingrédients pour s'intéresser à lui. Pas à une image ou un espoir millénaire, au présent. Cette union volontaire révélatrice du foyer. Je pense que pour la nouvelle année, vous devriez instituer le blâme de la journée inutile. Pas dans le cadre des obligations journalières, mais pour ce que tu produis pour ta vie, les valeurs de tes fonctions d'être. Car on est toujours un peu au même point, dans le réalisme de l'après. Comment vit-on sans corps? Pouvais-tu deviner à 20 ans comment tu serais à 60? Tu as changé, tu changeras un peu plus. Le plus impressionnant, c'est que lorsque c'est arrivé,
comme c'est obligatoirement dans le naturel, comme vous dites, il n'y a pas de souci. C'est heureux. C'est vrai qu'entre la chenille et le papillon, le fœtus X ou XX, et l'homme ou la femme de 30 ans, la comparaison est impossible. Les états différents de la chenille et son aboutissement ailé est parlant. Nous ne l'avons jamais entendu crier de douleur ou d'effort dans sa métamorphose. L'amour a encore aimé en te rassurant par l'image et le symbole et le miracle. C'est naturel, alors c'est comme ça. Quelle invention! Quelle leçon de choses incorporées dans le livre de l'école de la création! Pas une graine, une racine ou un nuage ne craint son étape suivante. Il n'y a que toi qui pêches dans ta peur des poissons monstrueux. Le manque d'intérêt pour l'obligatoire changement d'état final dessine des espaces à réputation de gouffre. Si tu restes sur la nature de Dieu qui n'a qu'un nom amour et un champ lumière et un front lumière, et que tu testes tout ce qui va prouver que Victor Hugo avait bien été inspiré, tu joues aux chercheurs d'or, sans leur passion d'intérêt. Bien sûr que dans ton jardin tu as un trésor, mais la planète entière en est un, dans les ressources de tes réactions. Et je suis certaine que plus tu connais pour n'importe quelle raison les fonds insondables d'un désastre, plus les moyens concrets se présentent pour les combler et construire sur l'illusoire gouffre. Tu rêves d'un cadeau pour Noël? Le plus doux, n'est-ce pas une présence aimante? Tu en as quatre déjà assurés et nous brûlons de désirs conjugués indissociables du vœu divin, de faire de toi un être. Si des regrets t'assaillent et t'égratignent, dis avec moi, je suis né maintenant. Qu'importe tes croyances, tes espoirs paradisiaques, même l'œuvre divine qui peut l'amener, lui, à te dire que tu es vivant, tu es seul responsable. Tu as accepté par obligation de naître à l'existence. Pour Noël, tu ouvres la porte. Tu apparais, déguisé en Père Noël ou des seuls habits de tes goûts. Mais ta silhouette se dessine, grâce à moi, qui crois à ta nature, ton devenir et ton présent. Confiant, confiante, main dans la main, en frère et sœur, tu n'en es plus à préférer une patte. Un chien est un compagnon limité à son pourquoi, je dirais même le pour qui, sa création s'adaptant aux natures affectives personnelles. Je suis aussi certaine qu'au-dessus du manteau le plus gris des nuages, le soleil n'a pas faibli d'un degré. Ne suis-je pas la fiabilité même? Je suis sûr de ce que tu pressens. Tu sais maintenant que seul le présent t'appartient et que tu le remplis à volonté. Tu sais aussi que l'amour, aussi exigeant qu'il soit, est la première base de ton essor vers l'esprit. Et tu dois savoir aussi que ta raison d'être et de vivre éternellement. Le restant, c'est filoche. Mon présent est fait de l'espace où je peux aimer. La terre entière est le minimum. Toi, ce sont ceux que tu comptes dans ton foyer et quelques autres. De toute façon, en chacun, tu n'investis que l'espace privilégié qu'il t'offre. Je ne te violente pas, puisque je m'adresse à la nature de Dieu en toi. Mais elle prend tellement de place que le comprenant, je te modèle. Tu vois que se lie le présent et l'amour. Mais le fil rouge, c'est ta raison d'être. J'espère que tu acceptes maintenant d'être né d'un vœu et que si le moindre brin d'herbe en dépend, tu imagines ton importance. Tu ne peux pas imaginer plus bel avenir. À ton enfant, mère ou père, tu lui as donné l'existence. Et pour lui, normalement, tu as rêvé le plus beau. Avec un tout petit peu de jugeote cartésienne, tu lui avais, en fait, promis le néant. Vois-tu plus beau présent que de lui affirmer sa pérennité éternelle et de lui confirmer par ta connaissance et tes actes? Tu es vivant.
la vie doit se multiplier. Déjà, nos buts s'ajoutent. Avec Noël, les moyens divins vont les multiplier. Je suis de l'avant-fête, de la fête et de l'après-fête. Et il n'est pas question de laisser un seul hors la farandole. Je vous aime, mes frères et sœurs chéris. Votre Thérèse. Je ne trouvais pas où est-ce qu'il fallait que j'arrête.